Bonjour à tous et voilà, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ce nouveau pack légendaire consacré à Halloween. À l'occasion de la sortie de ce pack, Amazon sort une nouvelle offre pour tous ceux qui n'ont encore jamais acheté de coins. 10 000 coins pour 65 euros. On m'a offert cette semaine, alors du coup, on va y aller. C'est parti! Et voilà, à la sortie de ce pack, Amazon a lancé une nouvelle promotion justement pour ce pack. 65 euros les 10 000 coins pour tous ceux qui ont déjà un compte Amazon mais qui n'ont jamais encore franchi le pas des coins. C'est vraiment l'occasion. 35% d'économie, c'est assez énorme. Du coup, ça vaut vraiment la peine et... Bah moi, ils m'ont proposé de me l'offrir cette semaine. Alors bah écoutez, on va joindre l'utile à l'agréable. Je vous ai parlé de cette promo et on va partir pour la semaine. Allez, je vais chercher les packs. Et voilà, le pack est pris. Merci encore Amazon. On va se faire du coup cette petite semaine. Regardez-moi ça, on a aussi cette décoration spéciale Halloween. C'est vélin légendaire, c'est vélin Light and Dark, on va tout de suite aller se mettre cette petite déco quand même, hein. Je trouve que ça vaut la peine. Hop, non, c'est pas ça. Voilà, on va se mettre ce petit fond d'écran. Est-ce que c'est pas de saison, hein? Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Allez, en attendant, il est l'heure d'aller prendre les packs et de partir sur cette semaine très gentiment offerte par Amazon. Merci à eux. Et vous aussi, hein, vous pouvez vous prendre ce petit pack hein, si vous avez jamais pris de coins. Je mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo parce que ce genre de... Ah bah non, j'en ai plus. Ce genre de promo de 10 000 coins pour 65 euros, c'est vraiment rare, donc il faut en profiter. Hein. Quand ça sort souvent justement en lien avec un pack comme ça légendaire. Là, bon bah voilà, c'est le petit pack d'Halloween. Hop! Alors du coup, on va se faire peur. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu dans l'ambiance? Franchement, c'est Halloween, ambiance Halloween, je pense que... Il pourrait être sympa de se mettre dans l'ambiance. Alors, on va faire ça. Hop, je range tout ça. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. On va se faire de la place pour cette summon. Touk, touk, touk. Voilà. Hop. Et voilà. Et maintenant, on passe en ambiance Halloween. Nous voilà dans une ambiance Halloween. J'espère qu'on va choper autre chose que des fantômes ou des sorcières. Quoique, hop, une petite, vous voyez, une petite sorcière polaire, ça pourrait être très sympa. On va évidemment espérer des monstres que je n'ai pas, ça serait vraiment chouette. Et pourquoi pas un petit Ganymède, un petit Zeros, une petite, évidemment, Tiana, un petit Taor, tous ces monstres-là que je n'ai pas encore. Voyons voir combien... Ah bah, j'ai pas pris Vélin. Oh là là, mais quelle erreur, mais quelle erreur de la part du joueur Switz. On n'a pas récupéré nos vélins. Hop. Et voilà. On est parti pour cette semaine de l'horreur. 34 vélins mystiques de Light and Dark, de légendaire. Allez, c'est parti. On espère sur 33 vélins, on va dire quoi? 4 étincelles. Allez, 4 étincelles. Hop, deuxième étincelle, c'est vraiment un très très gros pack, hein. Deux légendaires, deux Light and Dark, les Devilmon, c'est vraiment vraiment un pack extrêmement rentable, ce pack légendaire. Et on va bien voir si on a de la chance sur les étincelles. Ça serait bien si qu'elle puisse arriver, hein, quand même. Aïe, 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 il nous reste déjà plus que 30 vélins et on n'a pas vu une étincelle, il nous en faut 4. Allez, 4 étincelles, c'est possible. C'est très demandé quand même, hein. C'est très exigeant. On devrait être entre 3 et 4, mais pour le moment, on est plutôt sur 0. Un loup-garou, ça va parfaitement dans cette ambiance. Halloween, allez. Non, les petites fées, ça ne va pas. Les petites fées, non, mais c'est Halloween, quoi. On va pas
pas les fées à Halloween, quoi. C'est pas là. Voilà, les loups-garous, c'est bien. Les loups-garous, c'est pas mal. Allez, hop, on continue. Ouh, je suis pas très rassuré pour le moment. c'est Halloween, il y a du brouillard partout et on n'a pas vu encore une étincelle pour s'éclairer. Ça va faire très très mal hein, s'il n'y en a pas du tout. À tout moment, je sors mon masque de hockeyeur. Et voilà, encore du loup-garou. Cette saison, hein, cette saison le loup-garou, écoutez, c'est normal. Hein. Le loup-garou, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, on arrive gentiment à la moitié de la summon et on n'a pas encore vu une seule étincelle. C'est la summon de l'horreur. Allez, un petit effort là, s'il vous plaît. Bon, je veux bien qu'elle soit cadeau cette summon, mais quand même, on pourrait faire un petit effort. Toujours pas, hein. Toujours pas, je vais me transformer en Freddy Krueger si on n'arrive pas à avoir une étincelle. Non, je crois qu'il n'y en aura pas, je crois qu'on est parti pour une summon très 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 horrible. Bon, ça veut pas. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'on en aura... Ah ! Oh ! Une étincelle ! Et c'est un chevalier de la mort ! Eh ben écoutez, est-ce que c'est pas raccord ? Moi, je trouve que c'est parfaitement raccord. Excellent. Très bien. Bon, par contre, il nous reste 10 vélins pour avoir 3 étincelles, alors du coup, je crois que je vais voir mes espérances à la baisse. Parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Aïe, 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 c'est vraiment, vraiment la summon de l'horreur. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Oh là là, il en reste plus que 7. Oh, est-ce qu'on va finir ces vélins mystiques en ayant eu qu'une seule étincelle? Ah là là, c'est affreux. Comme un coup de couteau dans le dos, hein. Ah, deuxième étincelle. Et c'est une petite hernée. Eh ben, c'est très bien. Cette petite dryade haut, qui est pas mal. Et regardez-moi ça, back to back. Et encore une dryade. Cette fois-ci, la feu, on est quand même à 3 étincelles. On a bien rattrapé les stats. Il nous reste 3 vélins. Il nous reste 3 vélins pour avoir une étincelle et j'aurais eu exactement ce que je demandais. C'est assez incroyable, ce retournement de situation, quand même. Dans les tout derniers vélins. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut y arriver? Dernier vélin, dernière chance d'avoir une étincelle, ce qui nous ferait passer au-dessus des stats. Et non, on restera à 3, ce qui est quand même pas mal hein, sur 30 vélins. Très bien. Il a encore 2 light and dark et 2 légendaires. Allez, c'est là qu'on les veut, les étincelles, c'est maintenant ou pas du tout. Oh. Non, pas du tout. Oh, pas du tout. Si je chope un Frankenstein, ça serait mais tellement parfait. Non, non, c'est un fake, c'est un fake. Il fait assez peur hein, quand même. C'est un monstre parfait pour Halloween, ce petit Schumar. Très bien. 2 légendaires. 2 légendaires. Allez. Là, est-ce que cette semaine va être vraiment horrible? Ok, un Anubis, ça va. Il y a pas mal d'Anubis qui sont jouables. Du coup, du skill up, c'est toujours bien. Dernier vélin de cette horrible summon d'Halloween offerte par Amazon. Allez, c'est parti. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un Orion. Voilà, des bonbons ou une blague. Hein. Ça va parfaitement bien avec ce petit skill 3. La blague inoffensive. Et ben voilà, les amis, cette summon d'Halloween est maintenant terminée. On finit sur un bilan finalement pas si mauvais. Bon, voilà, pas de Nat 5, mais au niveau des étincelles, on est plutôt pas mal. Et je trouve qu'on a quand même été plutôt raccord au niveau des monstres. Alors, bah écoutez, du coup, je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir et à bientôt. Ha ha ha!